Salut, je m'appelle Raphaël, je suis technologue en agroalimentaire en deuxième année chez Jova. Et aujourd'hui, vous allez passer un petit moment avec moi en production pour voir ce que je fais pendant ma journée. Je pars vite au vestiaire pour me changer, pour être prêt au travail, et je vous dis à toutes. Mon métier, c'est de fabriquer des produits de boulanger en grande quantité sur des lignes de production que j'aurais préparées, programmées et paramétrées tout ce que j'avais besoin. Et ensuite, je vais pouvoir faire tout ce qui est contrôle qualité pour assurer le pain de meilleure qualité pour notre client. On va pétrir une pâte. Cette pâte après, elle va partir sur des lignes de production qui vont être faites pour façonner la pâte. Elle va être divisée en pâtons et ensuite on va la mettre dans la fermentation pour faire gonfler la pâte. Après cette fermentation là, on va aller en cuisson pour qu'ensuite la cuisson, on fasse un refroidissement pour qu'elle soit apte à être emballée pour après aller chez Migros. Une chose que j'apprécie beaucoup chez Jova, c'est notre lien entre apprentis et collaborateurs. Pourquoi? Car c'est des gens très ouverts d'esprit, qui nous donnent beaucoup de conseils et qui sont toujours là pour nous aider. Ensuite, on a plusieurs lignes à apprendre et chaque ligne a une technologie et une manière de faire différente, ce qui va donner beaucoup de créativité et beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Et pour finir, on a l'opportunité de faire des stages dans différents départements de l'entreprise pour avoir une vue d'ensemble de toute l'entreprise. Si tu as envie d'être un très bon technologue en agroalimentaire, il faut aimer travailler avec la nourriture agroalimentaire et aussi tout ce qui est technique et machine. Il faut être aussi flexible dans les horaires et bien sûr, savoir travailler en équipe. C'était mon métier. Si ça vous a intéressé, postulez. Bon, moi je rentre à la maison par contre.